百倍的打好这一场阻击战、总体战，打好这一场人民战争。Sur cette plaque tournante du transport chinois, le pic de fréquentation est atteint durant le Nouvel An chinois. L'épidémie de coronavirus faisant rage, les difficultés s'enchaînent. Wuhan est sous cloche. Toute la Chine est sur la défensive. Le succès de la lutte dépend de la capacité à couper la chaîne de transmission du virus. Mobiliser toutes les forces pour prendre en charge des patients et sauver des vies. Tout le monde est mobilisé à travers le mécanisme de prévention et de contrôle au niveau national et local. Ce mécanisme coordonné est crucial pour contenir l'épidémie. Pour le peuple et par le peuple, construisons une ligne de défense impénétrable. Le 23 janvier 2020, tôt le matin, l'air est humide et froid à Wuhan. Zheng Lei, commissaire de la gare de Wuhan, est arrivé de bonne heure à la gare avec son équipe. Il a reçu l'ordre de bloquer tout départ de la ville. Cela le rend perplexe. En près de 20 ans de service, c'est la première fois qu'il vit une telle crise. À 8h du matin, 1800 agents du commissariat de Wuhan, 300 gendarmes du Hubei et l'intégralité des policiers ferroviaires des trois gares majeures sont présents sur place. Selon le plan défini, ils vont activer simultanément les trois lignes de blocus. Une à l'extrémité de la ville, une à la sortie de la gare et une à l'entrée de la gare. Simultanément, ils vont assurer le contrôle des voies d'entrée et l'évacuation des passagers. À 10h, l'entrée de la gare est complètement fermée par des barrières en acier inoxydable. Les vols internationaux, les croisières, les autocars sont suspendus. Les transports aériens et ferroviaires s'arrêtent. Le bouton pause est enclenché pour stopper les flux entrants et sortants de la ville. La bataille contre l'épidémie s'est rapidement déployée dans les hôpitaux et dans les quartiers. Dans ses directives du 20 janvier, le président Xi Jinping a souligné l'importance de joindre toutes les forces pour effectuer la prévention et prendre les mesures pertinentes afin d'arrêter la propagation du virus. Le 22 janvier, Xi Jinping a ordonné à Wuhan et au Hubei de mettre en place un contrôle strict contre l'exode humain.
Le 25 janvier, lors d'une réunion du comité permanent du bureau politique du comité central, Xi Jinping a appelé à contenir l'épidémie selon les conseils des spécialistes scientifiques et juridiques. Il a souligné qu'il était important de surveiller la situation, de dépister les gens et d'alerter le peuple. Considérant les particularités régionales, le comité central du PCC a désigné Wuhan et le Hubei comme théâtre central de l'opération et a proposé des dispositifs adaptables aux autres régions. Sur les quatre lignes de défense, la stratégie de la lutte contre l'épidémie s'est déployée de manière progressive. Les flux rassemblements de personnes furent interdits. Plus d'un milliard de personnes sont mises à l'arrêt. Selon les directives coordonnées du gouvernement central, les transports publics doivent être réduits ou suspendus. Les centres commerciaux, les cinémas, les sites touristiques et culturels doivent fermer. Les vacances du Nouvel An chinois sont prolongées et la rentrée scolaire reportée. Dans le même temps, le mécanisme conjoint de la prévention et du contrôle de l'épidémie travaille à mobiliser toutes les forces. À Wuhan et dans le Hubei, les mesures adoptées sont bien plus strictes et ciblées. Les résultats s'annoncent très pertinents. Dans les régions où le flux humain est important, telles que les provinces voisines du Hubei, des mesures sont prises pour prévenir à la fois l'introduction et la propagation du virus. Toutes les collectivités locales ont mis en place le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle. Des villes aux campagnes, dans les aéroports, les gares, les entreprises et les résidences, des lignes de défense sont dressées pour bloquer la propagation du virus. Le Hubei et Wuhan sont l'épicentre de cette lutte. Wuhan est l'une des plus importantes plaques tournantes du pays, avec un flux total d'environ 15 millions de passagers durant le Nouvel An chinois. Il est vital d'interrompre ce flux de manière déterminée. En bloquant les sorties de la ville, cela contribuera à coup sûr à arrêter la propagation du virus. Wuhan porte la responsabilité majeure de ne pas laisser le virus gagner du terrain. En plus de fermer le passage vers l'extérieur, le défi est de savoir comment arrêter la propagation du virus dans la ville. À Wuhan, fin janvier, l'épidémie a touché un grand nombre de quartiers. À cause de l'insuffisance des ressources médicales, de nombreuses personnes infectées ne sont pas hospitalisées. La situation est extrêmement grave. Le 24 janvier, les coordonnées de plus de 2000 secrétaires de comités de quartier de tout Wuhan apparaissent dans les groupes WeChat des résidents concernés. Le même jour, la direction générale anti-épidémique de Wuhan a publié sa 7e circulaire, exigeant que tous les quartiers résidentiels de la ville soient responsables d'un dépistage sur les habitants ayant de la fièvre. Les patients ayant de la fièvre sont transportés aux urgences par des véhicules alloués à chaque district. Ceux qui ont des symptômes légers restent en observation à domicile. À cette période, la capacité médicale de Wuhan est loin d'être suffisante. Les équipes de soutien d'autres régions sont en chemin pour apporter leur aide. Les quartiers sont soumis à une pression énorme, tout comme les hôpitaux. Tous se battent en première ligne. Mon
Le docteur Duan a 23 ans. Il venait d'être recruté dans ce centre de santé lorsque l'épidémie a frappé la ville. Les quartiers sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus. Les médecins de quartier sont chargés du dépistage préliminaire des patients fébriles. Ils doivent aussi effectuer des tests d'acide nucléique sur les patients suspects et les personnes au contact de patients confirmés. Lors des prélèvements, des postillons sont parfois projetés sur son écran facial. Au bout de quelques jours, le docteur Duan y est habitué. Celles qui sont fatiguées au point d'avoir le vertige et de vomir sont les collègues du docteur Tuan. Elles se sont portées volontaires pour travailler dans ce point de service médical. Cet hôtel a été transformé en site de confinement où vivent 70 patients suspects. Les infirmières font des rondes trois fois par jour pour suivre de près l'évolution de leur état de santé. Ces jeunes médecins et infirmières ont à peine 20 ans. Ils n'ont pas eu une vie dure, mais sont prêts au sacrifice. Le 28 janvier, les autorités de Wuhan ont publié une annonce demandant aux agents sociaux d'accompagner les patients fébriles dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Après le blocus de la ville, les voitures privées furent interdites de circuler. Seuls les comités des quartiers étaient autorisés à envoyer des véhicules. Certains habitants ont appelé pour se plaindre que leur résidence ne disposait pas de véhicules. À cette époque, les ambulances de Wuhan étaient incapables de répondre aux besoins de transport des patients. Par conséquent, chaque quartier essayait de son côté de trouver ou de préparer des véhicules. Roulant sous les demandes incessantes, les agents de quartier essaient de tenir le coup. Quand le nombre de patients dépasse la capacité hospitalière, la saturation est inévitable. Le barrage était au bord de s'écrouler. Pour résoudre ce problème, il fallait prendre des mesures encore plus fortes. Le 10 février, devant la crise sanitaire à Wuhan et au Hubei, le président Xi Jinping a demandé de prendre en charge le maximum de patients. Pour ne pas introduire ni laisser échapper le virus, en février, Wuhan a pris trois mesures décisives. La première fut le dépistage massif qui a permis d'identifier 6326 cas confirmés et suspects parmi les 4,21 millions de foyers. La deuxième était la prise en charge centralisée. Dès le 16 février, les nouveaux cas de coronavirus étaient pris en charge le jour même. La troisième concernait le test ciblé. Jusqu'au 19 février, tout le monde a été testé. Tôt le matin, une querelle éclate devant le bureau du quartier de Douwen, dans le district de Jianghan. Au petit matin du 11 février, la direction générale de la cellule de crise anti-Covid-19 de Wuhan a publié la 12e circulaire annonçant que toutes les zones résidentielles de Wuhan étaient désormais fermées. Chaque foyer était autorisé à envoyer une personne faire les courses une fois tous les trois jours. Trois jours plus tard, le contrôle a été renforcé. À l'exception de ceux qui devaient être soignés et les travailleurs nécessaires à la gestion de l'épidémie, les résidents ne pouvaient plus sortir de chez eux. À la réception de la directive, Tian Lin, secrétaire du quartier de Douwen, a clôturé toutes les résidences avec des barrières jaunes.
Le 21 février, un nouvel ordre est tombé dans le quartier, interdisant la vente au détail par les distributeurs et par les marchés. Cela signifiait que la consommation quotidienne de près de 5000 habitants du quartier devait entièrement dépendre d'achats groupés ou d'agents déjà débordés. Le besoin de consommation variant selon les résidents, M. Tien a trouvé une solution adaptée. Il a ouvert un petit supermarché dans le bureau du comité de quartier. Il achetait en gros des produits courants avant de les revendre au prix initial. La supérette du secrétaire Tien est ouverte. Pendant que le personnel du bureau fait les achats en gros, de plus en plus de résidents viennent faire leurs courses. En une dizaine de minutes, la file d'attente s'est fortement allongée. La vocation dépasse la fatigue. Le personnel du quartier est ému par les mots chaleureux des résidents. Tous leurs sentiments amers et leurs pressions ont disparu avec un simple merci. Lors de sa visite d'investigation à Beijing et à Wuhan, le président Xi Jinping a souligné l'extrême importance des quartiers dans la prévention de l'épidémie et a demandé à ce que les cadres se mettent au service des quartiers. Dans les quartiers anciens, les cadres délégués jouent un rôle important. Le quartier Zhengjiazui est un village urbain d'une superficie d'environ 3,3 km². Contrairement aux autres zones résidentielles, ce quartier est très étendu et avec de nombreuses maisons disposées de manière irrégulière, ce qui rend le dépistage massif difficile à mener. Parmi les cadres délégués, 14 sont des personnels de l'Institut topographique et cartographique de Wuhan. Ils ont pleinement exploité leurs compétences professionnelles en élaborant un plan de lutte contre l'épidémie au sein du quartier. Les cadres délégués sont censés se rapprocher de la population et lutter pour la cause des résidents. C'est la tradition du PCC de tisser un lien étroit avec le peuple. C'est aussi une bonne initiative en matière de service aux citoyens. 44 500 cadres du PCC, au niveau de la municipalité et du district, ont été déployés dans les 968 quartiers des 7 districts urbains afin d'aider à la lutte contre l'épidémie à proximité des résidents. Pendant cette période spéciale, ils se sont joints aux cadres du quartier, formant l'épine dorsale de la communauté. À Wuhan, 18 000 policiers et 16 000 policiers auxiliaires
ont secouru les quartiers. Ils étaient tous volontaires pour cette mission. Pendant l'explosion de l'épidémie, toute la ville est soumise à une pression colossale. Les policiers sont en charge de transporter les patients. Aujourd'hui, Zhao Chuang, le policier du commissariat de Qiaoko, va chercher deux parents d'un patient atteint du coronavirus. Proche du patient, les deux sont susceptibles d'avoir contracté le virus. Avec l'aide de Zhao Chuang et son collègue Li Binxin, elles ont été rapidement transportées vers un hôpital du quartier. Après le test PCR, les deux policiers les reconduisent à leur domicile. En plus de 20 jours, M. Zhao a transporté 59 patients du Covid-19, dont 18 en une seule journée. Lorsqu'il se rappelle de la première journée, il en a encore des frissons. Au final, il a surmonté sa peur et a transféré tous les patients à destination. Il leur a même laissé son numéro, leur promettant de venir dès qu'ils auraient besoin de lui. La ligne de défense s'est consolidée grâce aux efforts de tous. L'objectif de ne laisser personne sans prise en charge est bel et bien atteint. Xiong Fei, directeur du département de néphrologie et chef du centre de dialyse du premier hôpital de Wuhan, est aussi directeur du centre de contrôle de la qualité de l'hémodialyse de Wuhan. Avant le Covid-19, plus de 7000 patients urémiques de Wuhan recevaient régulièrement des dialyses dans 65 centres. Au fur et à mesure de la progression de l'épidémie, un certain nombre d'hôpitaux ont été réquisitionnés pour soigner les patients atteints du coronavirus. Ainsi, certaines unités de dialyse ont été fermées. Certains de ces patients ont été testés positifs au coronavirus. Il fallait donc à la fois soigner le coronavirus et faire leur dialyse. Mais ces patients ne pouvaient recevoir leur dialyse avec les autres, de peur de contaminer le reste des patients. En toute urgence, fin janvier, le docteur Xiong a rédigé un courrier à la commission municipale de la santé de Wuhan, suggérant aux autorités supérieures de désigner rapidement un hôpital chargé de traiter les patients en dialyse fébrile suspectés d'être atteints du coronavirus. Trois jours plus tard, la ville de Wuhan a ordonné de garantir des soins médicaux aux patients spéciaux pendant l'épidémie. Les deux premiers hôpitaux désignés à cet effet ont mis 48 heures pour installer une salle de dialyse aux patients infectés. Dans le même temps,
plus de 50 appareils de dialyse ont été déplacés vers des zones non infectées afin de procéder aux dialyses en toute sécurité. Bien que deux hôpitaux soient équipés de nombreux appareils de dialyse, face aux plus de 7000 patients, les machines étaient insuffisantes, même en rotation continue. Après le 12 mars, la capacité médicale a dépassé le nombre de patients. 16 hôpitaux de Wuhan spécialisés dans la dialyse ont repris leur routine. Lorsque la quasi-totalité des habitants sont sous quarantaine, ils se rendent compte que leur vie quotidienne dépend d'une organisation solide et d'un système social sophistiqué. Cela leur permet aussi de comprendre la nécessité d'avoir ces femmes et ces hommes prêts à se déplacer, à tenir leur poste, à protéger les médecins ou à rendre service aux patients. Cela a mis en avant ceux qui veulent protéger leur ville et concitoyens. Lao Ji, 39 ans, originaire de Cheyenne dans le Hubei, est arrivé à Wuhan en juillet l'an dernier. Il travaille comme coursier pour deux plateformes de livraison de repas. Pendant la quarantaine, il est devenu le chanceux qui peut voir le monde extérieur. Il a donc noté ses témoignages sur le microblog Weibo. Lao Ji n'a pas cessé de travailler. Ces derniers jours, il a rendu service à beaucoup de monde. Certains s'intéressent à son travail. Certains le sollicitent pour acheter des médicaments. Pour Lao Ji, tous ces petits moments l'ont rendu fier de ce métier. Il apporte une touche d'optimisme à la vie quotidienne de beaucoup de gens. Les conducteurs de bus, les électriciens, les agents sanitaires, les coursiers, tous sont présents à leur poste. Il fait encore froid ce début de printemps, mais tout le monde a le cœur réchauffé. Trao Tan est présentateur d'une radio musicale de Wuhan. Le 24 février, cela faisait 14 jours qu'il était guéri du coronavirus. Il avait envie de partager sa propre expérience et ses sentiments avec son public. De cette manière, les gens pouvaient mieux comprendre l'état de la ville et apaiser leurs inquiétudes. Du coup, le lendemain de sa sortie de l'hôpital, il a fait sa première émission streaming sur Internet. Je pense que Wuhan est une bonne ville.
Un internaute a laissé un commentaire. Je suis dans un service client. J'avais peur de reprendre le travail, mais votre émission m'a donné du courage. Un autre dit, quand vous dites que Wuhan se porte bien, beaucoup de nos concitoyens sont rassurés. La femme de Hao Tan s'appelle Yao Zhong. Elle est professeure responsable d'une classe de CE1 à l'école primaire attachée à l'université normale de Huazhong. Le 30 janvier, elle a commencé à enregistrer des cours en ligne. En tant que professeure responsable, elle est prête à échanger davantage avec ses élèves. Pendant le confinement, Yang Hongbin a cessé de fumer. Il avait pourtant cette habitude depuis une trentaine d'années. Yang Ning, le fils de M. Yang, avait juste commencé à travailler, mais l'épidémie l'a empêché de retourner à son poste. Il a donc postulé pour faire du bénévolat pour la communauté. L'expérience du bénévolat a appris à son fils le goût de la tolérance. Son père s'en réjouit. Du confinement au déconfinement de Wuhan, 76 jours se sont écoulés. Tous les citoyens de la ville, qu'ils aient travaillé pour la communauté ou soient restés chez eux, sont dignes du nom de combattants. Le président Xi Jinping les a salués. Toute la population a fait preuve de solidarité, en particulier le peuple de Wuhan et du Hubei, qui ont prouvé leur résistance et leur ténacité en coopérant consciemment au contrôle de l'épidémie. Wuhan n'est pas la seule ville à avoir constitué la ligne de défense. Le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle fut appliqué dans tout le pays. Le président Xi Jinping a ainsi précisé : le comité local du parti et le gouvernement local portent la responsabilité de renforcer la gestion basée sur le quadrillage des quartiers. Ils sont chargés de prendre des mesures précises et pertinentes afin de prévenir la propagation de l'épidémie. Plus de 4 millions d'agents travaillent dans 650 000 quartiers urbains et ruraux à surveiller l'épidémie, contrôler l'accès des quartiers, informer les habitants, gérer l'environnement et aider les gens dans le besoin. La direction militaire et policière des provinces
a envoyé des troupes pour les aider à désinfecter les locaux, à assurer la garde et à transporter les marchandises. Le comité de quartier et les résidents se sont joints pour bâtir une ligne de défense impénétrable contre l'épidémie. L'autorité de santé CDC a publié des directives contre le coronavirus adaptées aux personnes et aux lieux. Le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies a rédigé le guide public contre la pneumonie infectieuse de type Covid-19. La version papier a été envoyée dans le Hubei. La version en ligne est accessible à tous. Le 23 janvier, le spot pour la lutte contre le coronavirus de la CCP est diffusé sur 520 000 écrans dans 80 villes chinoises. La campagne est entrée dans des millions de foyers pour sensibiliser les citoyens au plus près. La lutte contre l'épidémie a beaucoup changé notre vie. Pas de visite à domicile, pas de poignée de main, port du masque. Tous ces gestes simples ne sont pas évidents pour tout le monde. Les petits gestes jouent un rôle majeur dans cette lutte. Chaque quartier mène sa propre lutte. À travers toute la Chine, le haut-parleur est devenu l'outil de communication le plus populaire. Il sert à diffuser les informations, à endiguer les rumeurs et à renforcer la confiance de la population. Les moyens traditionnels coexistent avec les astuces technologiques. Comment améliorer l'efficacité des mesures et libérer de la main-d'œuvre? Ce défi en termes de gestion administrative, les fonctionnaires ont dû l'affronter. Le 9 février, la ville de Shenzhen a mis en ligne un code QR de santé sur l'application WeChat Shen Love You. Elle est devenue la première ville à gérer les déplacements des citoyens grâce à ce code QR. Le 22 février, la ville de Wuhan a aussi lancé son code QR de santé. Pendant toute l'épidémie, le code de santé a été vulgarisé en tant que passeport de déplacement. Avec sa vulgarisation nationale, le code est devenu reconnaissable dans l'ensemble du pays. Afin de mener pleinement la lutte contre le Covid-19, dans l'après-midi du 24 février, la 16e réunion du comité permanent de la 13e Assemblée populaire nationale, APN, a voté le report de la 3e session de l'APN. Plus tôt, le comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois, ou CCPPC, a tenu sa 33e réunion, recommandant que la 3e session de la CCPPC, initialement prévue le 3 mars, soit reportée. Les deux sessions, qui se tiennent tous les printemps, sont un événement majeur dans la vie politique chinoise. Leur date d'ouverture n'avait pas changé en 22 ans. Afin d'apaiser l'anxiété de nombreux enfants et parents pendant ces vacances prolongées, le ministère de l'Éducation a publié une directive exhortant les écoles à assurer la continuité pédagogique et à répondre aux questions des enfants et parents à travers de multiples canaux. Le dernier jour de mars, le ministère de l'Éducation a annoncé que le baccalauréat serait reporté d'un mois et aurait lieu les 7 et 8 juillet. C'est la première fois en 17 ans que les dates de cette épreuve nationale sont modifiées. Le report de l'examen a rassuré 10,71 millions de lycéens en terminale.
Du gouvernement central aux collectivités de base, les caractéristiques les plus marquantes de la lutte contre le coronavirus sont les suivantes. Satisfaire les besoins du peuple et trouver des solutions pour améliorer le système et ajuster les mesures. Pas de discours vide. Le pragmatisme est mis en avant. Tout doit faire place à la lutte contre l'épidémie. L'unité est le seul moyen de surmonter les obstacles. Chaque fois qu'il quitte sa maison, Rode Roy emporte avec lui des dizaines de kilos de saucissons et de légumes. Lui et sa femme travaillent comme ouvriers à Zhongshan, dans le Guangdong. À cause de l'épidémie, la date de reprise du travail a dû être reportée de 8 jours. De leur village natal à leur lieu de travail, il y a 1500 km. Le train n'étant pas accessible, ils sont obligés de prendre l'autocar. Malheureusement, à partir du 24 janvier, les départs en autocar ont été réduits ou arrêtés. Consciente du problème, le 6 février, les autorités du Sichuan ont annoncé qu'à partir du 9, l'opération Brise printanière serait lancée pour accompagner les travailleurs migrants à sortir de la province. L'autorité des transports fut chargée d'organiser les trajets des travailleurs migrants du départ jusqu'à la destination. Le 7 février, M. Roy et sa femme ont reçu un appel et se sont rendus au centre de santé pour un examen gratuit. Après avoir vérifié sa température, sa tension artérielle et son rythme cardiaque, M. He obtient un certificat de santé valide 3 jours. Il a enfin l'esprit tranquille. Le même jour, une liste de noms a été transmise au service d'aide sociale. Le service des transports a ensuite réparti les véhicules en fonction du lieu de départ et d'arrivée. Le transport sur de longues distances se fait souvent par relais. C'est-à-dire qu'un conducteur remplace un autre à un point relais. Cependant, de nombreux points relais ont été fermés à cause du coronavirus. Les travailleurs sont impatients de reprendre le travail qui leur garantit un revenu. Les entreprises sont impatientes de se relancer pour la même raison. Seule l'activité économique garantit la stabilité d'une région. La société économique est un système circulatoire dynamique qui ne peut pas être suspendu indéfiniment. À mesure que la lutte contre l'épidémie progressait, la coordination entre la prévention du virus et le développement économique était devenue un enjeu majeur et urgent. Selon les exigences du président Xi Jinping, il était nécessaire de contrôler l'épidémie avec un zonage et un classement précis. Il fallait restaurer l'ordre économique et social par la coordination avec les mesures de prévention. Avec la multiplication des mouvements de population, de nouvelles épreuves apparaissaient. Le 18 mars, le zéro, en grand format, a occupé la une des médias. Pour la première fois, les nouveaux cas confirmés à Wuhan et dans le Hubei étaient de zéro. Cependant, de nouveaux risques arrivaient. Avec la propagation du virus dans de nombreux clusters à travers le monde, certaines villes comme Beijing, véritable hub international, voyaient des cas venus de l'étranger débarquer. Face à cette menace, une nouvelle ligne de défense devait être construite de manière ciblée. Dans la lutte à Shanghai, une expression prédomine, boucle fermée. Entre les deux aéroports de Hongqiao et de Pudong et le lieu de quarantaine pour les voyageurs débarquant en Chine, un cercle fermé ne laisse échapper personne. De chaque résidence au quartier, chaque maillon constitue un élément d'une boucle fermée sans faille.
Former une boucle fermée, voici l'exigence qu'a formulée la réunion du comité permanent du bureau politique central afin d'éviter l'importation du virus en provenance de l'étranger et le rebond interne des cas. Depuis la mi-mars, certains ports terrestres frontaliers, comme Zwevenhe, sont confrontés à une forte augmentation des patients atteints du Covid-19, venus de l'étranger. D'autres ports frontaliers du sud-ouest, dans le Guangxi et le Yunnan, ont aussi rapidement subi la même pression. 你的这个室友是一个中国人还是外国人？中国退烧药感冒药吗？过去十七天内，最近十七天有接触过发热的病人吗？没有。À la mi-juin, Beijing, mégalopole de plus de 21 millions de résidents permanents, a été de nouveau confrontée à la propagation du coronavirus. Dès que les nouveaux cas ont été signalés le 11 juin, la ville a rapidement ciblé le marché en gros de Xinfadi grâce aux méthodes pertinentes de traçabilité. Après l'identification des personnes en contact étroit avec les patients, près de 200 000 personnes ont été dépistées en quelques jours seulement. Afin d'éliminer les risques rapidement, Beijing a appliqué le principe de test PCR par nécessité et sur la base du volontariat. En ciblant les clusters potentiels et les lieux à haut risque, des tests PCR massifs ont été déployés. Plus de 11 millions de personnes ont fait le test, incluant les restaurateurs, les commerçants des marchés frais, les habitants dans les zones à haut risque, les coursiers et les livreurs. Beijing n'a pas voulu arrêter le fonctionnement de la ville. Elle a pris des mesures précises de prévention. C'était une vraie course contre la montre avec le virus. La ville a ainsi contenu l'épidémie avec succès. La lutte est toujours présente dans notre vie. Toutes les régions s'efforcent de contrôler l'épidémie et de normaliser les actions de prévention. Le but est de garantir la sécurité et la santé de la population, tout en rétablissant l'ordre économique et social dans son ensemble. La défense conjointe des collectivités contre l'épidémie est gérée au niveau national. En parallèle avec la ligne de défense, de nouvelles voies de gouvernance dans les zones urbaines et rurales sont explorées. Le 8 avril, le président Xi Jinping a répondu à la lettre des agents du quartier de Donghu Xincheng de Wuhan pour les encourager à poursuivre leur combat, à mettre en place minutieusement toutes les mesures, à servir les citoyens avec dévotion et à gagner radicalement cette lutte populaire et générale contre l'épidémie. Tous les groupes ethniques à travers la Chine ont participé activement à la lutte contre le coronavirus. En mettant en place un système de prévention et de contrôle rigoureux, l'ensemble de la population est devenu imbattable. C'est une ligne de défense extraordinaire, érigée par des gens ordinaires. Elle permet de garder le virus hors de chez nous et de rester protégé par la patrie.
阳光普照。